Pour une gestion concertée réussie des forêts du bassin du Congo, il est important de comprendre le fonctionnement des coordinations nationales de la Commission des forêts de l'Afrique centrale. À Kinshasa, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, était en visite d'inspection samedi dans les installations de la Comifaka RDC. Il faut élargir l'assiette fiscale du secteur de l'environnement, un impératif pour le gouvernement qui met toutes les batteries en marche afin d'atteindre cet objectif de la République démocratique du Congo, considérée comme une puissance écologique continentale et mondiale. Cette responsabilité de sauver la planète a été démontrée à la Commission des forêts d'Afrique centrale, coordination de la RDC, lors de la toute première visite officielle de la vice-première ministre au ministre de l'Environnement et Développement durable. Dans l'enceinte de ces structures techniques à caractère sous-régional, en charge de la conservation et gestion durable des forêts, l'exercice était simple. D'abord, un huis clos dans le bureau du coordonnateur national, puis l'inspection des différents locaux. Une ronde qui a permis à la vice-première ministre, au ministre de l'Environnement et Développement durable, de s'enquérir du fonctionnement de la Comifaka RDC et formuler ses attentes. Aucun État ne peut se permettre d'éluder ou de sous-estimer la République démocratique du Congo. Le message institutionnel est d'avoir hissé le ministère de l'Environnement et du Développement durable au niveau de la vice-primature pour valoriser sa position qui, en échange, devra profiter à son peuple. Et aujourd'hui, la Comifak, vous êtes en bonne position, à une bonne ligne au niveau de la sous-région, donc l'Afrique centrale, à devoir affirmer, confirmer cette position. Devant les agents et cadres vêtus en vert, les coordonnateurs nationaux en ont profité pour présenter la structure et aussi les dossiers saillants, notamment l'organisation du 3e sommet des chefs d'État de la Comifak. Au chapitre des dossiers saillants, l'organisation du 3e sommet des chefs d'État de la Comifak qui vise principalement les objectifs ci-après. Maintenir le leadership politique de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, pour qui réunir ses pairs de la sous-région serait une occasion idéale de consolider des positions communes sur la gestion concertée des forêts et aussi sur le climat. Il y sera aussi question des questions sécuritaires liées notamment à l'occupation transfrontalière des aires protégées par les groupes armés. Un moment convivial soldé par la remise des cadeaux.